bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Siberia 1. Donc on venait de sortir de chez Notaire, qui nous avait appris que finalement il y avait un héritier et que Hans, le frère de Anna, n'était pas mort, et qu'il était quelque part en Sibérie, et que c'était à lui de signer le rachat de l'usine. Donc le notaire nous a dit qu'on avait une clé à récupérer dans la salle d'attente pour aller à l'usine chercher plus d'informations. Allô? Kate? Oh, Dan, comme je suis contente de t'entendre. Comment vas-tu, ma chérie? Ton voyage s'est bien passé? Tu es bien installée? Long, fatigant et humide. Mais ça va, je vais bien. Surtout quand tu... Tout se passe comme prévu? Oui. Enfin, pas vraiment. Ce n'est pas exactement ce que j'imaginais. Tu sais, ici, tout est tellement différent. Ah, au fait, chérie, j'ai réussi à me libérer demain après-midi. Je viendrai t'attendre à l'aéroport. J'espère d'ailleurs que le vol de Paris n'aura pas trop de retard. Nous sommes attendus chez les Goldberg vers 20h précises. Ma pauvre chérie, je crains que tu n'aies que le temps de prendre une douche et de te changer. Dan, je doute que ça puisse être possible pour les Goldberg demain soir. Oh, ne t'inquiète pas, Kate. Tu seras parfaite, comme d'habitude. De toute façon, hein, rien t'habille. Et puis les Goldberg se font une joie de te voir. Sarah a personnellement insisté pour que... Dan, je vais devoir prolonger mon séjour ici. Il y a quelques complications, tu comprends? Enfin, Kate, ce n'est qu'une petite fabrique de jouets. La vente ne se passe pas comme prévu. Je suis obligée de rester un peu. Dan, tu ne m'en veux pas? Kate, enfin, tu peux pas faire ça. Le contrat Goldberg, tout de même, ça pèse plusieurs millions de dollars et... Je sais, je suis désolée. Vas-y sans moi. Je rentre dès que je peux, je t'assure. Bon, je dois te laisser. Mais je te rappelle vite. Je t'embrasse, mon chéri. Donc ça, c'était Dan, le petit ami de Kate, qui n'est pas content que l'on puisse pas rentrer de suite. C'est comme ça, c'est le boulot. Donc ça, c'est l'entrée de la fabrique, on va utiliser la clé. On va aller faire un tour par là. De toute façon, il faudra qu'on aille partout. Cette porte est verrouillée. Pourtant, je dois entrer. Donc, il faut qu'on trouve un autre chemin pour entrer dans la maison. Donc là, il y a une échelle. Il me faudrait une clé. Cette porte est verrouillée. Pourtant, je dois rentrer. Ça aurait été trop beau. Bonjour, madame. C'est un magnifique jardin que vous avez là. Oh,
M'en parlez pas. Depuis que mon automate jardinier est tombé en panne, les mauvaises herbes sont partout. Vous n'imaginez pas tout le travail que ça me donne. Je sais plus d'où mettre de la tête. Faut dire qu'ici, à Valladolid, on n'a pas bien l'habitude de se passer de l'aide des automates. À ce qu'on raconte, il faudra s'y faire. Pourtant... Eh oui, à la main, c'est plus dur, forcément. Et voici la clé. J'ai regardé ici, mais il me semble que c'est fermé. On sait jamais. Inutile d'insister, c'est verrouillé. Bon, on va retourner à l'échelle. Allez, donc on se retrouve dans le grenier de la maison. Anna. On dirait un journal intime. Donc je vais faire les pages aussi. Je les lirai hors vidéo. En plus, il y en a un paquet de pages. Ah, c'est bon, c'est terminé. Et on a récupéré une bouteille d'encre. Il y a un dessin. On va en avoir besoin. Ah ! Mammouth. Tu peux dessiner Mammouth pour Momo ? Oh, c'est toi, Momo. Tu m'as fait peur. Que viens-tu faire ici ? Momo veut un dessin de Mammouth. Comme celui de Hans. Je suis désolée, mais je n'ai pas de dessin de mammouth sur moi. Toi, prendre papier et crayon et dessiner mammouth pour Momo. Eh bien, tu ne te décourages pas facilement. Je ne sais pas dessiner Momo, encore moins les mammouths. Dessiner mammouth facile. Hans sait faire. Anna sait faire. Alors Kate aussi. À la rigueur, je crois que je serais capable de griffonner une boîte avec un mammouth dedans. Non. Momo veut un vrai mammouth. T'es vraiment têtu. Bien essayé, Kate. Elle veut faire comme Saint-Exupéry avec le petit prince. Dessiner le mammouth dans une boîte. Je suis à la recherche de quelque chose, mais je ne sais pas quoi.
Un indice, un élément qui me mettrait sur la piste de ce Hans. Tu veux bien m'aider? D'abord, dessine Mammouth pour Momo. Si je t'aide, tu m'aides? Momo sait que Kate gentille. Kate va dessiner un mammouth pour Momo. Et puis Momo va dire son secret à Kate. Toi, tu as un secret. D'abord, dessine mammouth pour Momo. D'accord, donc il va pas me lâcher Momo, tant que... je dois y aller maintenant. Tant que je vais pas lui dessiner le mammouth. Donc on a vu qu'il y avait un dessin de mammouth... dans le coin, là-bas. Hans 1932. Voilà, ça c'est Hans qui l'a dessiné. Solution de facilité. Ah, madame dessine sur les murs et tout. C'est la fête. Voilà. Allez, on va lui donner son mammouth, il sera content. Merci. Momo est content. Maintenant, suis Momo. Momo montrait son secret à Kate. Ne m'attends pas surtout. Alors, il faut qu'on suive Momo, il y a un secret pour nous apparemment. En tout cas, les décors dans ce jeu sont très jolis. C'est vraiment appréciable.
Te voilà, Momo. Ouh, tu me fais faire une sacrée balade. Mais je l'avoue, c'est magnifique. Momo venir souvent ici. Momo aimait faire des ronds dans l'eau. À cause de toi, Momo, je ressemble plus à une exploratrice qu'à une avocate. Si Dan me voyait, je ne suis pas sûre que ça lui plairait. Momo pas connaître Dan? Ah non, n'oublie pas mon petit, il n'est pas commode. Pourquoi m'as-tu imprimé ici? Poupée mammouth dans grotte. Très important pour Hans, a dit Anna. Grotte? Je ne vois aucune grotte. Momo n'est pas un menteur. Bon, maintenant que nous sommes là, que fais-tu? Kate et Momo lancent les cailloux dans l'eau. Arrête, Momo. Je suis sûre que notre présence ici a un rapport avec la grotte. Momo, Kate, Annie. Dis-moi, Momo, tu penses vraiment, toi, qu'après toutes ces années, le frère d'Anna pourrait être encore vivant? Anna toujours dire Hans part-il. Mais Hans reviendra peut-être. Tu es un étrange garçon, Momo. Mais je crois comprendre pourquoi Anna Vorarlberg s'est attachée à toi. Momo? Momo ressemble à Hans. Momo très fier. Ça doit être fascinant de vivre dans un village rempli d'automates. Automates, travail de Hans. Travail difficile. Mais quand Momo sera grand, il fera comme Hans. Automate, ami de Momo. Dis-moi, Momo, tu venais souvent ici avec Anna? Hein? Anna aime bien Momo. Anna aime bien Hans. Anna en voyage. Momo, je dois y aller maintenant. À plus tard, peut-être. D'accord, donc Momo nous a amenés ici parce qu'il y avait un secret. Et apparemment, ce serait une grotte que Hans aimait beaucoup. Donc, on va se laisser là pour l'instant. Et on verra au prochain épisode où on essaiera de trouver la fameuse grotte dont Momo parle. Et on verra la suite plus tard. Donc, à très bientôt. Bye bye!